un régime de bananes plantain qu'on a mis en place il y a exactement un an. Et aujourd'hui, justement, on passe à la récolte. C'est la variété corne, n'est-ce pas, avec quatre mains. Et voilà, des gros doigts. Et il est question dans cette vidéo de voir comment vous pouvez vous aussi envisager de mettre un hectare ou plusieurs hectares sur pied dès mars 2025 prochain. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est maintenant le moment de vous poser les bonnes questions. Où est-ce que vous allez trouver le matériel végétal? Est-ce que vous le produisez vous-même ou bien vous l'achetez déjà prêt? Voilà, c'est maintenant qu'il faut se poser ces questions pertinentes. Et dans cette vidéo, pour ceux qui veulent le produire eux-mêmes, on va vous dévoiler tous les petits secrets pour faire les pifs de A à Z. Comment s'y prendre? Comment choisir le matériel végétal? Par où commencer? Jusqu'où faut-il aller? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Nous allons prendre le temps de vous expliquer dans cette masterclass gratuite et spéciale comment procéder pour produire vos rejets de bananiers plantains. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, vous voulez acheter ce qui est prêt, contactez-nous, passez vos commandes pour ne pas être en retard. Le moment venu, tous les détails de la méthode PIF de A à Z, c'est tout de suite après le jingle. La première étape donc de la multiplication des rejets de bananiers plantains consiste à choisir les rejets. Il s'agit de choisir les rejets qui vont permettre donc de faire le travail d'ensemencement du germoir. Alors, quel type de rejet devons-nous choisir? La première chose, c'est qu'il faut d'abord savoir la variété que vous voulez étendre, que vous voulez multiplier. Est-ce que c'est le Big Ebanga? Est-ce que c'est le Bata? Est-ce que ce sont des French? Est-ce que c'est une variété locale particulière? Il faut déjà le savoir. Vous ciblez donc les champs dans lesquels vous allez faire donc cette recherche de rejet. Et quand vous arrivez donc au pied d'un bananier plantain comme celui-ci, il faut donc regarder sérieusement. Et vous allez voir que généralement, il y a deux types de rejet. Vous voyez un rejet avec cette tête effilée là. C'est ça qu'on appelle un rejet baïonnette. Vous voyez comment c'est effilé. Les feuilles ne sont pas encore ouvertes. C'est ce genre-là qu'il faut choisir. Contrairement à ce qu'on a à côté là, vous voyez qu'ici, on a un rejet dont les feuilles sont déjà grandement ouvertes. Hein, ce n'est pas ce genre-là qu'il faut choisir. Ça, c'est ce qu'on appelle rejet chou. Hein, vous voyez le chou avec beaucoup de feuilles là. Hein, quand vous avez, on appelle rejet chou parce que le chou a déjà de larges feuilles, etc. Ne choisissez pas ce genre de rejet qui sont déjà ouvertes avec des feuilles larges. Privilégiez donc, ici c'est très bien visible, privilégiez ce genre de rejet là qu'on appelle rejet baïonnette parce que les feuilles sont effilées comme une épée, comme une baïonnette. C'est ça qu'il faut choisir. Vous voyez, c'est ça qu'il faut choisir. Privilégier ça. C'est à l'aide donc d'un plantoir, vous allez tout simplement aller à côté comme ça. Il faut mettre le plantoir à côté de votre rejet. Vous entourez le rejet de proche en proche. Et voilà. Vous pouvez donc extirper le rejet dont vous avez besoin pour pouvoir, ben le voilà, vous pouvez maintenant faire un dépouillement. Voilà le type de rejet qu'il faut choisir pour faire votre multiplication de rejet. Vous voyez comment celui-là est costaud, il est vraiment encore plein de potentiel. Il en est de même des deux autres. Voilà, on va extirper les trois et là on est sûr d'avoir un bon matériel végétal. Voilà. Ok. Voilà.
Voilà un deuxième. Et maintenant, il reste celui-là. On va tout enlever parce que là, on est sûr d'avoir du bon matériel végétal. Par contre, si c'est une bananeraie qui est encore en pleine production, il faut sélectionner. Vous pouvez sur trois rejets comme ça enlever seulement deux pour ne pas fragiliser le tronc mère. Et voilà. Voilà déjà comment, de poche en poche, nous allons collectionner nos rejets pour pouvoir passer à la prochaine étape. Les deux prochaines étapes, c'est quoi? C'est le parage à blanc et le décorticage. Suivez-nous dans la deuxième étape où on vous réserve une petite surprise avec notre assistante. À tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons vous donner une information extrêmement importante. Dans quelques semaines, nous mettrons à votre disposition un document inédit, un document très important, un document stratégique sur la mise en place d'un projet agropastoral. Il s'agit des 10 règles d'or de l'entrepreneuriat agropastoral qui permettent justement, comme un livre de chevet, de vous mettre sur la droite ligne, de vous éviter les erreurs, de vous éviter justement des fausses pistes, de vous donner tout ce qu'il faut pour baliser votre piste et rentrer avec sérénité dans l'agropastoral. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on demande de commencer petit? Par exemple, pourquoi on vous demande de faire du réseautage? Pourquoi on vous demande de vendre avant de produire? Toutes ces informations-là sont détaillées, illustrées justement par la pratique dans ce document que nous vous invitons à acquérir dans quelques semaines. On continue la vidéo. Voilà, nous nous retrouvons donc dans notre mini laboratoire où vont s'exécuter les deux opérations importantes de parage à blanc, ensuite de décorticage. Et dans ces deux opérations, je serai assisté par Angela, qui est mon assistante. Pour ceux qui regardent nos vidéos, vous êtes déjà habitués. Elle va nous présenter la première opération, le parage à blanc, et par la suite, je présenterai donc le décorticage. Après donc avoir choisi les rejets et après les avoir rassemblés au niveau d'une parcelle, on revient donc, comme vous allez le voir, pour pouvoir travailler sur les rejets, on revient donc les déverser à un endroit approprié. Et puis, vous vous munissez d'un couteau bien tranchant et puis vous commencez l'opération. Donc, je passe la parole tout de suite à Angela qui va nous présenter le parage à blanc. Merci de me passer la parole. Moi, c'est l'assistante Angela. Qu'est-ce que le parage à blanc? Le parage à blanc est l'opération qui consiste à nettoyer les saletés qui sont sur le bulbe, à enlever les saletés pour qu'ils deviennent propres et tout blancs. Vous voyez, voici un rejet. On nettoie les saletés qui sont sur le bulbe. Il doit être tout blanc. Voilà, j'accompagne Angela dans cette opération de nettoyage, comme elle a si bien expliqué. Le parage à blanc, à la fin, votre bulbe doit devenir tout blanc. Merci Angela de ces explications. Vous voyez comment l'opération s'effectue simplement avec le couteau. Vous voyez comment on tient et on n'est plus comme si on épluchait du macabo tout simplement. Vous voyez, mais la précision qu'il faut apporter, c'est qu'il ne faut pas monter très loin. Si vous montez trop loin, vous allez détruire les bourgeons qui se trouvent dans la partie circulaire. La partie circulaire, là, regorge beaucoup de bourgeons. Donc, il faut rester juste en dessous de cette partie circulaire et nettoyer comme ça pour obtenir donc quelque chose de blanc. Voilà le parage à blanc qui a été assez très bien expliqué par Angela. On passe donc à la deuxième opération, le décorticage. De quoi s'agit-il? Après avoir fait le parage à blanc, il faut maintenant
essayer d'exposer les bourgeons qui se trouvent ici, parce que tout se passe à ce niveau-là. Il faut exposer ce bourgeon en enlevant, la caméra doit approcher pour qu'on voit très bien, en enlevant les gaines foliaires une par une qui se trouvent sur ce faux-tronc-là. Vous voyez, on va détacher une par une les gaines foliaires avec ce mouvement circulaire du couteau. On les détache une par une, les gaines foliaires sont détachées progressivement de manière à ce qu'on puisse véritablement avoir accès à ces bourgeons qui seront l'objet justement de la multiplication végétative. Et lorsqu'on a enlevé un certain nombre de bourgeons, donc, on diminue le faux tronc qui est là pour le laisser à peut-être environ un centimètre. Voilà. Voilà en quoi consiste le décorticage. On va le refaire sur un autre bulbe pour que vous voyez exactement, concrètement, comment ça se passe. Alors, on va prendre quelque chose d'un peu plus gros. Voilà. On commence toujours, comme Angela l'a expliqué, par le parage à blanc. On enlève les saletés. Voilà, ça se fait rapidement, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Vous voyez, on doit libérer le bulbe de toutes les saletés, de toutes les racines, de tous les nids d'insectes et tout. Par la suite, on commence donc le décorticage. Vous voyez comment la gaine foliaire est attachée à ces troncs-là. C'est ces gaines-là qu'il faut donc détacher. Donc, on amorce ça avec le couteau, comme ça, pour que ça se détache beaucoup plus facilement. Voilà, on amorce avec un mouvement circulaire là. On amorce et on détache facilement. Vous voyez comment il s'enlève. Ce mouvement-là doit être effectué au moins 4 à 5 fois, n'est-ce pas, pour libérer toutes les gaines. Et bien entendu, permettre aux bourgeons qui se retrouvent dans cette zone. Il y a de nombreux bourgeons qui se retrouvent dans cette zone. Ça permet donc de libérer et d'exposer ces bourgeons-là. Voilà. Et à ce niveau-là, on peut déjà tailler ainsi et laisser à peu près 1 cm. Et voilà, on obtient au finish un élément qu'on appelle explant. Ceci est appelé explant. C'est cette matière première-là qu'on va utiliser par la suite pour les autres opérations. Voilà, on passe à l'opération suivante qui est dans le traitement et le séchage à l'ombre. Après donc les étapes de choix de rejet, de parage à blanc, de décorticage, nous abordons la quatrième étape qui consiste au traitement des rejets. En quoi est-ce qu'il consiste? Vous savez, après avoir nettoyé les rejets, subsiste toujours des poches qui concernent peut-être des œufs d'insectes ou etc., de nématodes, pour pouvoir extirper tout cela et rendre le rejet vraiment stérile, stérilisé. Il convient de faire un traitement antifongique et justement antiparasitaire. C'est pourquoi donc nous allons nous déporter, hein, les rejets sont là, vous voyez bien le tas des explants qui sont déjà prêts. Maintenant, il convient de confectionner la solution qui va permettre de faire le traitement. Donc, nous déportons à côté, juste à côté, pour vous montrer exactement les produits que nous allons utiliser. Nous allons utiliser des insecticides. Vous pouvez utiliser n'importe quel, lequel, hein. N'importe quel insecticide. Nous allons utiliser un fongicide. Vous pouvez également utiliser n'importe quel lequel. Et il s'agit de diluer dans 15 litres d'eau. Dans 15 litres d'eau, vous pouvez donc mettre une solution de 50 millilitres d'insecticide et de 100 grammes de fongicide. 50 millilitres d'insecticide et 100 grammes de fongicide dans 15 litres d'eau. Ça vous permet, justement, avec ce mélange, cela vous permet donc de stériliser vos rejets. Donc, la solution a été présentée et préparée dans ce fût, comme vous pouvez le constater. Vous voyez comment les rejets s'y trouvent. Voilà, les explants, hein, après avoir traité, on les appelle explants. Donc, on va donc, après avoir séjourné donc pratiquement 15 minutes dans ce liquide,
il faut tout simplement les enlever et les positionner comme ça à l'ombre, n'est-ce pas? Voilà, vous les enlevez pour les positionner à l'ombre. Ben voilà, le matériel dans végétal qu'on appelle maintenant explant est exposé à l'ombre et il va y séjourner 48 à 72 heures pour permettre que l'eau puisse s'égoutter complètement de manière à ce que les explants soient secs au toucher, ça doit être sec. Parce que si vous ensemencez des explants qui sont mouillés, et vous courez le risque de perdre certains explants par pourriture. Donc, il faut veiller à ce qu'ils soient bien asséchés avant de nous embarquer dans la dernière étape pour cette vidéo, qui est la cinquième étape qui va constituer justement à la confection des germoirs où vont séjourner tous ces explants. On y va donc pour la construction du germoir. Suivez-nous, ça va être intéressant. Voilà, nous retrouvons la dernière phase de cette vidéo, la cinquième étape de cette vidéo qui consiste donc à la construction du germoir. Le germoir, encore appelé serre, et c'est encore appelé propagateur. Les termes-là désignent la même chose. Le germoir, la serre, le propagateur, c'est un milieu avec un dispositif spécial pour permettre d'ensemencer justement les explants. Voilà, de quoi avons-nous besoin pour réaliser un germoir? Vous avez besoin de planches comme ceci-là. Voilà, des planches de 30 cm de hauteur à peu près. Ou bien vous avez un vieux fût que vous pouvez couper. Et ça peut vous également vous servir de germoir ou bien des vieux pneus. En tout cas, il faut un environnement que vous pouvez enfermer, un environnement clos dans lequel vous pouvez mettre des rejets. Ça peut vous servir de germoir. Vous pouvez utiliser matériaux de récupération, hein, des vieilles planches, des bambous, des vieux piquets, etc. Il suffit de les assembler pour faire un bloc ou une caisse comme ce que vous êtes en train de voir là. Voilà. Alors, qu'en est-il des dimensions de votre germoir? Il ne faut pas aller au-delà d'un mètre. Ici, nous sommes à 1 mètre de large, 90 cm, 1 mètre de large, c'est largement suffisant. Ça vous permet de travailler des deux côtés. Hein, vous vous mettez là, vous pouvez travailler à l'intérieur. Vous pouvez également vous tourner, vous mettre de l'autre côté, vous travaillez de l'intérieur. Donc, 1 mètre de large, c'est suffisant. En termes de longueur, la longueur va dépendre de la dimension de votre projet. Plus vous avez un grand projet, plus vous avez besoin d'un long germoir. Bien entendu, vous n'avez pas besoin de faire un germoir de 50 mètres. Vous pouvez faire plusieurs germoirs de 5 mètres, de 10 mètres, de 15 mètres en fonction de l'espace dont vous disposez. Donc ici, nous avons deux germoirs d'environ 10 mètres chacun, disons 12 mètres chacun, parce qu'on va ensemencer pour le moment un millier de plants. Voilà! C'est là où on va déboucher sur le dimensionnement, sur la densité. Un mètre carré de germoir peut vous prendre environ 50 explants. Un mètre carré vous prend, ici on a un mètre, là un mètre, donc sur cet espace un mètre carré, vous pouvez mettre 50 explants. Donc si vous avez 10 mètres de germoir comme ce qu'on a là, vous pouvez mettre 500 explants. Voilà, donc un germoir comme celui que vous voyez là peut prendre 500 explants. Ici également 500 explants, dont les deux peuvent vous donner 1000 explants. Ce qui donne un potentiel d'environ 10 000 plantules à produire. Voilà ce qui concerne la densité et le dimensionnement. Maintenant, une fois que vous avez disposé vos planches comme vous le voyez là, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut le protéger. Il faut protéger l'intérieur contre les remontées capillaires. Voilà, il faut protéger avec quoi? Avec des plastiques. Comme vous allez le voir tout de suite, vous allez revêtir l'intérieur avec des plastiques. Pas forcément des plastiques neufs, hein, ça peut être des plastiques de récupération. Vous allez revêtir l'intérieur pour éviter que le substrat ne soit souillé par les remontées capillaires. Voilà. Donc,
Là, vous allez disposer votre plastique tout le long. Voilà. De manière à protéger tout l'intérieur. C'est comme ça. Voilà, on en a, on a suffisamment de plastique pour revêtir. Voilà. Voilà. C'est ainsi que vous devez faire. Lorsque vous avez revêti l'intérieur ainsi, il convient de faire des perforations. Parce que lorsqu'on va faire des arrosages, pour éviter que l'eau ne stagne à l'intérieur de vos rejets, il faut donc perforer le plastique pour permettre que l'eau puisse circuler, les eaux d'arrosage puissent circuler. Voilà. Voilà comment vous devez agir. Ensuite, quand vous avez revêti l'intérieur avec du plastique et que vous avez fait des perforations, la prochaine étape, c'est de verser le substrat. On a fait des perforations. La prochaine étape, c'est de verser le substrat qui va contenir les explants. Le substrat, c'est quoi? C'est le copeau ou bien la suie de bois blanc. Vous voyez comment c'est entassé ici. C'est la suie de bois blanc qu'on va devoir verser à l'intérieur de notre germoire. Voilà. Si vous n'avez pas la suie de bois blanc, vous pouvez mettre du copeau. Le copeau est un peu grossier, mais il suffit que ce soit du bois blanc, ça devrait aller également. Pourquoi le bois blanc? Parce que le bois de couleur rouge est parfois toxique. Ça peut nuire à vos plantes, tout simplement. Voilà. Donc, nous allons verser la suie ici à l'intérieur. Voilà. Si vous n'avez pas de suie ou de copeaux, nous allons vous indiquer également une astuce pour pouvoir travailler sans problème. Parce que parfois, vous pouvez être dans des zones reculées, vous n'avez pas accès véritablement à la suie des menuiseries. C'est ça qu'on appelle suie. Voilà, c'est ça. Vous voyez comment c'est fin. Mais le copeau grossier peut également aller. Ben voilà. Nous avons déjà effectué la couverture intérieure avec du plastique. Nous avons fait l'isolation intérieure en prenant soin de perforer ce plastique pour permettre que l'eau d'arrosage puisse s'écouler. On a versé la première couche de la suie blanche. Vous voyez? Et donc, on effectue le traitement de cette couche-là. C'est très important pour pouvoir stériliser le terreau. Parce qu'il peut y avoir des champignons, des insectes, des nématodes, tout ce qui peut attaquer nos rejets. C'est ça qui fait la puissance du PIF. Parce qu'on le produit avec une certaine, propreté. C'est un plant qui sort avec un état vraiment sain, S-A-I-N, sain, sans nématode, sans charançon. C'est parce qu'on prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'il puisse évoluer dans un milieu stérilisé. Voilà, voilà comment nous procédons. Et comme je le disais tout à l'heure, il peut arriver que vous n'ayez pas de suie blanche. Comment vous procédez? Alors, nous allons vous donner cette astuce-là, restez jusqu'à la fin de la vidéo, pour pouvoir apprendre comment vous pouvez vous débrouiller en zone, en brousse, si vous n'avez pas accès à la suie blanche. Voilà, voilà. Et quand vous travaillez ainsi, il faut remuer et faire les traitements pour que le produit, c'est un produit fait simplement à base d'insecticides et de fongicides. C'est un mélange insecticide-fongicide. Vous mélangez 50 ml d'insecticide et 100 g de fongicide dans 15 litres d'eau. Et puis, ça y est,
vous pouvez faire, vous pouvez utiliser n'importe quel insecticide, n'importe quel fongicide. Et l'essentiel, c'est de veiller à ce que le traitement soit vraiment intéressant, soit approfondi, pour ne pas souiller, n'est-ce pas, le milieu dans lequel vous allez ensemencer vos explants. Et vous pouvez voir ces explants qui attendent à côté, hein, le caméraman peut vous filmer. C'est les explants qui attendent d'être amenés dans le germoir. Mais là, nous sommes en train d'apprêter le dit germoir. C'est ça. Voilà. Voilà. Voilà ce que nous, on pouvait vous dire. Hein. Alors, on va conclure avec l'astuce. L'astuce des professionnels, l'astuce des hommes de terrain, l'astuce des personnes qui peuvent justement utiliser un moyen de bord, même quand ils n'ont pas accès à du matériel sophistiqué. Alors, de quoi s'agit-il? Si vous n'avez pas accès à la scie de bois blanche, il y a deux possibilités. Si vous êtes dans une zone où on fait du cacao, vous prenez les cabosses de cacao bien décomposées, vous les broyez et puis vous les mettez à l'intérieur de votre germoir. Vous les broyez correctement, ça peut vous servir comme terreau pour ensemencer vos explants. Ça, c'est la première possibilité. Si vous êtes plutôt dans une zone où on fait du café, vous prenez justement les déchets de café, qu'on appelle ça parche ou quelque chose de ce genre. Vous prenez les déchets de café, les pulpes là, bien décomposés. Il ne faut pas que ce soit encore en train de chauffer. Bien décomposés, vous les mettez dans votre germoir. Ça peut vous permettre donc d'ensemencer vos explants. La troisième possibilité, c'est que vous pouvez utiliser du bois mort. Vous êtes dans un coin, une vieille forêt, avec un bois mort pourri depuis. Vous récupérez ce bois mort là. Vous le broyez correctement, vous mettez dans le germoir, vous pouvez l'utiliser pour ensemencer vos explants. La seule condition, c'est de traiter. Hein, c'est la seule chose qu'on vous demande, c'est de traiter le milieu dans lequel vous allez mettre le germoir. Parce que les explants sont traités, le milieu doit être traité également, de manière à ce que le dispositif soit justement sain et que vos explants puissent évoluer dans les meilleures conditions. Voilà, c'est à ce niveau qu'on va arrêter la vidéo. Abonnez-vous parce que la suite va être palpitante. La suite, la septième opération, la sixième autant pour moi, extrêmement intéressante. La sixième opération sera très intéressante et on va la commencer à la prochaine vidéo parce que ici on n'a pas voulu faire une vidéo très longue. Donc, les cinq prochaines étapes vont être poursuivies dans quelques jours sur la seconde vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater. Si vous avez besoin de commander des plans prêts pour mars-avril 2025, c'est le moment de vous manifester. N'attendez pas la dernière minute. Nous sommes très bousculés par les commandes. On a déjà près de 6 à 7 000 commandes réservées. Donc, si vous attendez la dernière minute, on ne pourra pas vous satisfaire. Donc, à très bientôt pour la suite de la production des PIF, la meilleure méthode qui existe pour le moment pour produire des rejets de bananiers plantains en quantité et en qualité. On met fin à cette vidéo. À très bientôt. Merci.